bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Protection qui vient avec le bâtis habituellement, on va avoir une épaisseur assez importante pour laisser la lame tourner. Cette largeur-là est importante lorsqu'on veut incliner la lame. Là, on a besoin d'avoir cette protection-là ici, cette insertion-là. Mais lorsqu'on fait des travaux d'ébénisterie, le fait d'avoir un espace entre la lame et le côté ici, il y a des pièces de bois qui peuvent glisser à l'intérieur. Ça peut devenir assez problématique. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser... On peut s'en fabriquer assez facilement. C'est une insertion qu'on appelle zéro clairance, qu'on va venir insérer. Donc, un zéro clairance, dans le fond, c'est une pièce de bois qu'on a fabriquée de la même dimension que l'insertion qui vient avec le bâti. Ce qui est important, c'est d'être bien égal à notre surface. On va se laisser un trou là, pour être capable de l'enlever, de la soulever facilement. Fait que lorsqu'on la fait, on la rainure, on ne la fait pas tout de suite. On va la faire en élevant la lame. Fait que dans le fond, pour faire cette opération-là ici, je vais utiliser mon guide à refendre comme appui. Je vais partir ma lame de bâti et je vais la monter tranquillement. Fait qu'elle va venir découper mon insertion. Puis, ça va me faire ce qu'on appelle un zéro clairance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace entre ma lame et la fente ici. Donc, mes pièces de bois, même s'ils sont très petites, il y a beaucoup moins de risques qui viennent coincer entre ma lame et mon insertion ici. Donc, lorsqu'on fait cette opération-là, la première fois, ça vient faire une coupe parfaite ajustée sur notre lame à ce moment-là. Fait que ça, le zéro clairance, là, c'est une bonne mesure de sécurité pour lorsqu'on travaille sur des plus petites pièces de bois. Ça évite là, que la pièce coince le long de la lame ici. Là. Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas, ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous, en passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion!